l'origine du projet est venue par le biais de la collectivité locale qui nous a permis de réaliser cette opération sur un terrain qui, à l'origine, appartenait à une entreprise qui faisait des machines-outils et qui s'appelle l'entreprise Gambin. L'opération s'est inscrite complètement à l'intérieur d'une opération déjà construite pour loger des ouvriers de ces entreprises qui, à l'époque, dans les années 60, avaient trouvé une entreprise humaniste, paternaliste, qui logeait ses salariés. On a laissé libre cours à la créativité du cabinet qui avait cette sensibilité, ou connaissait la sensibilité de Catherine Boisdevin, mais à partir de là, on lui a laissé le crayon pour dessiner son opération telle qu'elle l'entendait, dans le respect des contraintes d'un maître d'ouvrage. Un maître d'ouvrage social a toujours des contraintes, qui sont des contraintes, je dirais, financières. Et dans le cadre d'un budget serré, on arrive à faire une belle opération immobilière. À partir du moment où on travaille sur les détails de l'architecture et l'intégration de cette architecture dans le paysage. L'histoire du site, elle est passionnante parce que c'est une belle idée quand même de faire une usine verte. Au départ, l'usine, c'est un grand trait qui est au-dessus, dessiné par Gagès avec une façade de Jean Prouvé. Donc c'est passionnant d'avoir après cet héritage porteur aussi bien au niveau de l'idée d'amener du confort, d'amener du bien-être, de redynamiser une région. Et c'est porteur en fait. Il suffit de se laisser porter par l'histoire, il suffit de se laisser porter par les bâtiments qui existent pour qu'après le projet vienne un petit peu tout seul. On n'a pas fait une recherche pour être original. C'est pas du tout ça l'enjeu. C'était de venir dialoguer avec un existant, respecter et peut-être mettre en valeur ces petites maisons qui avaient un peu moins d'intérêt au vu de la population maintenant, mais qui étaient dans leur histoire très intéressantes. Des logements qui sont dans leur conception assez classique, c'est des T3, on a des plots avec 4 logements par plot. On a essayé de travailler sur les accès individuels, bien travailler sur les privatisations pour qu'ils aient l'impression de rentrer dans une maison individuelle, comme les autres avaient des maisons. Moi, ce qui m'a plu, c'est d'arriver à les caser, en fait, ces plots. Ce qui nous a plu, c'était difficile, on a eu du mal à les insérer, on a eu du mal à les tordre un petit peu, pas trop, à les grouper, parce qu'à un moment donné, quand même, Alpad m'a dit non, mais que des plots séparés, financièrement, c'est quand même assez cher. Ils sont tous pareils et tous différents, en fait, il n'y en a pas un qui est pareil. Ça nous a bien stimulé, en fait, de devoir les poser dans ce parc, dans la pente, et de devoir les insérer, et les faire un petit peu bouger pour avoir des rythmes et des séquences qui soient intéressantes, pas trop rigides. Par rapport au parc et par rapport à l'espace paysager. Je crois que la réussite de ce projet, c'est un ensemble de 3 composantes, la collectivité locale, le maître d'ouvrage et l'architecte. Sans ces 3 modules, je crois qu'il n'y a pas de réussite d'intégration, de volonté d'intégration dans le site ou d'œuvre architecturale. Il aurait été, à mon sens, assez difficile de faire passer de la tôle ondulée sur les façades avec une toiture à un pan si on n'avait pas été dans ce contexte-là. C'est ce qui donne la spécificité de ces logements. C'est l'histoire dans laquelle ils se sont inscrits. Ce n'est pas la création d'une histoire. On n'est pas dans quelque chose qui veut s'identifier, qui veut se matérialiser différemment. On est dans le prolongement, on raconte une histoire qui continue.